Et salut à tous, c'est Gringer, et aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau Clash Royale. Et attention les yeux! Oui, j'y ai déjà joué beaucoup. En fait, pour tout vous dire, j'ai vu mon cousin faire une vidéo dessus. Du coup, je me suis dit, tiens, j'ai envie de tester ce jeu. Et en fait, c'était vraiment juste nul. Mais vous allez voir la gueule des troupes, vous allez vous marrer. Alors. Et aussi, il y a un truc cool dans ce jeu, c'est que, regardez, là, en haut à gauche, c'est une légendaire, là, ce qui, on peut pas le voir. Bah, si je clique. Ouais. Donc là, en fait, ça, c'est une légendaire. Et les gemmes, ils sont très faciles à voir, parce qu'il suffit de regarder une publicité, tout en haut, là, à gauche, là, si je clique, et ça va me faire gagner, je sais plus combien de gemmes, ça va m'en faire gagner quelques-unes. Et du coup, je les ai farmées à chaque fois, et au final, je me retrouve avec un deck avec une, deux... C'est ceux qui ont du jaune au-dessus. Donc, j'ai celle-là. Donc, une. Celle-là, deux. Et celle-là, trois. Donc, j'en ai déjà trois légendaires. Dans un jeu comme Clash Royale. Et regardez la tête des troupes. C'est juste des troupes. En fait, le jeu, il s'appelle. Merde, j'ai vu. Craft Royale. Voilà, ça ressemble un petit peu à du Minecraft, quoi. Bon, on va lancer un combat juste pour voir. Et juste pour tester. C'est une vidéo fun. C'est juste comme ça pour le délire, quoi. Par contre, on espère trouver quelqu'un. Donc, il y a plusieurs arènes. Là, je suis déjà à la quatrième, je crois. Je suis level 5. Mais bon. C'était assez facile, on va dire. Hein. On va pas se le cacher. Et c'est parti! Alors, attention. Donc, là, on a déjà nos deux légendaires dans le deck. Il y a ça et ça. Allez, alors, on va mettre quoi? On va mettre la big légendaire direct. Ah, il sort la sorcière. Donc, là, c'est une sorcière, mais en Minecraft, elle est vraiment dégueulasse. Mais plus dégueulasse que ça, je crois qu'on meurt. C'est affreux. Allez, une petite Valkyrie. Hop. On met une petite Valkyrie. Ça fait le taf, ça fait le taf. Ça fait le taf, allez, frappe. Il y a un gars qui se barre là. Allez, vas-y, nous aussi on l'envoie. Ça, c'est quelqu'un qui va tout de suite à la tour tout seul. On sait pas pourquoi, mais il y va tout seul. Et il frappe, il frappe, il frappe. Et il fait pas mal de dégâts en vrai. Hein. Regardez en haut à gauche. Regardez! Là, le gars, il doit être perdu, là. On va mettre ça. Donc là, on met un genre de sorcier légendaire, mais sur une genre de... Je sais pas quoi. Je sais plus comment ça s'appelle. Un genre de ballon. Hop, allez, déjà une tour. Hop, le ballon, il a fait quelques dégâts. Ça fait mal, par contre. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On envoie... Géant, là-bas. Tank, ça, ici. Ah ouais, merde, j'ai le sorcier, j'avais pas vu. Aïe, on est mal, on est mal. Non! Allez, la Valkyrie, sauve-nous! Oui, la Valkyrie qui nous sauve et le géant qui frappe! Le géant qui frappe, c'est exceptionnel. Eh oui, deuxième tour! Deuxième tour, on va aller chercher le 3 couronnes. Et il met un ballon. On sait pas pourquoi. On envoie le petit qui frappe fort. Allez, allez, vas-y! Défonce-moi cette tour! Allez! On le défend le ballon ou pas? Bon, on va essayer de le défendre vite fait. Ah merde, on va perdre une tour là. Vite! Ouh! On l'a pas perdu. Ah par contre, nous on peut l'avoir la tour là-bas. Allez, 1 minute pour avoir la tour là. Facile normalement, facile! Allez! Il touche pas la nôtre. Allez, c'est parti! On y va! Il faut... Eh oui! La victoire! 3 blasons! Victoire! 32 trophées et un coffre en argent. Exceptionnel. Voilà, on est très content. Donc voilà, si vous voulez jouer à ce jeu... Bon, je pense qu'on va s'arrêter. On peut faire une autre bataille quand même. C'était... C'est juste un petit jeu pour vous montrer, quoi. Donc là, on a première arène, Jarda Royal, voilà, il y a pas mal de troupes. Toutes les épiques, par exemple, je les ai pas, ni la légendaire, là. Parce que je suis vite monté au Royaume 2, en fait, vu que c'est 400 trophées. Là, pareil, j'ai pas la légendaire. En fait, j'ai la légendaire du dernier royaume, mais bon, elle est un peu nulle. Puis là, ils l'ont changé, avant, c'était un Père Noël. Bon, je sais pas. Celle-là, je sais pas s'il y a une légendaire. Celle-là, j'ai une légendaire, là. Ils en ont rajouté une, c'est sympa.
Et voilà quoi, c'est sympa. Il y a plusieurs modes qui normalement vont arriver. Le mode aventure sera disponible dans une mise à jour. Et là, il y a tous les royaumes. Voilà, il y a de quoi s'amuser un petit peu si on en a marre de Clash Royale. Si on a envie de pas perdre ses trophées sur Clash Royale et qu'on a envie de s'amuser un petit peu, bah on va sur ça et on joue comme ça sans se casser la tête quoi. Voilà quoi, vous voyez le délire. On va mettre un petit géant. Géant 4. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein, sur un petit jeu tout pourri. Mais bon, moi il me distrait bien des fois quand je m'ennuie de Clash Royale et quand j'ai pas envie de perdre mes trophées, mais que j'ai envie de jouer, je vais sur ce jeu. Donc voilà, donc n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu si vous revoulez des vidéos sur ce jeu. Si vous en voulez, je vous en referai. Mais si vous en voulez pas, bah, laissez un pouce bleu quand même. Genre, vous le dites en commentaire, vous me dites n'en refais pas, j'en referai plus. Je comprendrai. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, commentaire, tout ça. Comme je vous ai dit, à vous abonner, c'est très important. On va arriver à pas mal d'abonnés dans pas longtemps. C'était Gringer. Salut. In love with your body.